Mais si vous vivez en concubinage plus de 15 ans avec enfant, tu ne peux pas faire. Ma chérie, Dieu reste 15 ans. Nawao. Faut chercher comment tu vas entrer en contact avec moi, ma chérie. C'est ce que je peux te conseiller. Parce que ton cas là, vraiment, c'est lourd. Donc, tu passes toute une vie dans le vieux reste. Yeah. Qu'est-ce qui a pu empêcher cet homme de vouloir de te marier, vrai? Qu'est-ce qui n'a pas marché, ma chérie? 15 ans de vieux reste. Je ne te juge pas. Hein? Mais tu es une femme, hein, ma chérie. Après tout, tu es une femme. Hein? Tu mérites quand même, même le po-po-po. Tu mérites même le po-po-po, ma chérie, le toque porte. L'homme ne fait pas le po-po-po. 15 ans, tu es toujours. Ah! On peut faire ça, ma chérie. Moi, ce que je peux te conseiller, ton cas, c'est un cas à part. Ça, c'est un cas, ça, c'est un dossier qui doit être traité dans le privé. Parce que ton cas, là, est à part. Pour qu'on s'appelle vraiment, tu m'expliques les choses correctement. Tiens, 15 ans. Vous savez, on ne peut pas dire que cet homme-là, peut-être, il y a des hommes comme ça, parfois, il veut te marier. Que je lui freine toujours, il y a toujours quelque chose qui le freine et tout. Mais je vois que 15 ans, c'est beaucoup, ma chérie. Il faut chercher à entrer en contact avec moi. Voilà le numéro, ma chérie. Tiens, 15 ans. Non, tous mes caviars qui ont fait plus de 10 ans dans le vieux reste. Il est temps que vous m'écrivez sur mon privé. Bah, c'est trop. À partir de 10 ans, je le dis. Hein. 10 ans, écrivez-moi. Non, même si ça avait la force, on va prendre ces hommes. Même si ça avait la force, on va prendre ces hommes-là. Je dis que même si ça avait la force, on va prendre ces jeunes hommes. Vous comprenez? Même si ça avait la force, il va sauf que te marier, ma chérie. Voilà. Il va sauf que te marier. 15 ans, c'est beaucoup. Tu es l'enfant de quelqu'un, hein? Mais, jusqu'à tu parles de chambre, c'est pas. Tu es obligé de. Ah! Ah, en tout cas, je t'attends, ma chérie.